Bienvenue dans qu'est-ce que j'ai mis dans ma valise. Retrait de l'arrête-là, telle connerie. Saloperie. Après, il y a l'immanquable. Sur Hitchcock. Bon. Mais après, c'est pas comme ça. Et il y a mes cartes. C'était mon premier RSA ou quoi. J'ai mis toute la chine. J'ai fumé des mégots pendant un mois. Ça, c'était mon ancien numéro de téléphone. Derrière, c'était marqué. Qu'est-ce que c'est marqué? Vous avez des confessions inavouables. Vous êtes victime d'une super arnaque. Bon, ça, c'est la vie. Le trésor public vous assassine. C'est exactement ça. Alors ça, je vais en mettre une. Et là, j'avais souligné un truc. Ça va être dans le carton blanc. Bon. Tu rassembles en un seul peuple des hommes de tout pays. Ça, j'avais souligné en jaune. C'est que c'est pas de la merde, quand même. C'est qu'on est pour que se fondent nos mains. Non, ça, je mets dans le carton blanc. Conduis-nous, Seigneur, à la paix. Mais tu vois, les laïcs, c'est comme le numérique, c'est électronique, c'est de la merde. Tu vois. Mettre une carte, un machin, dans le truc blanc. J'ai plus de marqueur. C'est la nuit debout. Ah, c'est pour ça que je veux dire la loi El Khomri, c'était la nuit debout. C'est un peu plus qu'un an. Tu vois. Non. Ça, tu mets là. Ouais. Tu repars en vacances. Qu'est-ce que c'est que je mets dans la valise? Attention, je vais vous interroger après. Denis, c'est pas de la merde. C'est pas Brice, ça vole un peu plus haut dans l'esprit. Le problème, c'est que vous en avez pas. Mais c'est pas de ma faute. C'est normal, on n'apprend pas ça à l'école. C'est pour ça que je veux faire des nouvelles écoles. C'est pour ça le TPU, Trésor Public Universel, c'est pas pour faire de la merde. Oh. La merde, tu l'as fait dans ton chiotte. Et encore, autant faire du bon engrais. Tant qu'à chier de la merde, vu que t'es un enculé, t'en faire de la bonne merde, du bon engrais. Bon, sinon ça va impeccable. J'ai mes petites cartes, j'ai mon petit truc. Bon, le numéro de téléphone, bien sûr qu'il est plus bon. Mais ça va aller comme ça. Prenez-moi que pour un con. Vous tapez là, le Macron en boîte, ça sera le shield, il va dérouiller là. Ils vont tous dérouiller le Fabius là, le sang contaminé là. Tous. La Roselyne là. Grosse poufiasse à la télé, tu vois. Elle a des lèvres, on dirait des. Je sais pas. Putain, si elle apparaît sur la chatte, c'est bon. C'est des. Bon. On va rien dire là-dessus. Sauf quand elle chie du sperme, ou toute, hein, Rachida, là, hein. El Khomri, là, non. En fait, ils mettent des femmes au gouvernement, comme ça, ils peuvent faire des grosses partouzes sous cocaïne et tout, mais faut pas le dire. Je vais vous tarter la gueule, putain, bande d'enculés. Moi, je parle au nom du bon Dieu et je t'emmerde. Voilà. Pas compliqué. Voilà. Maintenant, je vais me faire tous les monothéistes et déjà tous les chrétiens aussi. Je vais rassembler le truc. C'était écrit, c'était marqué en jaune. Je vais rassembler le truc. Comme ça. On va changer d'air et d'air. C'est normal.
Tu as les photos que je vais mettre, mais voilà. Putain, chez Tata, ça connecte nickel, mais elle casse les couilles tout le temps. T'allumes l'ordi, pouh, c'est connecté tout de suite, il ne demande même pas un code. Mais toujours, elle casse les couilles. Déjà qu'elle a rien à foutre de sa journée, elle a un nouveau fauteuil, elle a un nouveau truc, elle a tout ce que tu veux. D'ailleurs, je le filmerai, je le filmerai. Mais il faut qu'elle t'emmerde. Bon, c'est normal, elle a rien d'autre à foutre. Tu sais, dans le fauteuil toute la journée. C'est relou, tu vois. Par contre, j'aime bien le petit cousin. Puis j'aime bien ma cousine. Des fois, je dis des trucs à la con, mais c'était pas grave, ça. Oui, alors les cousines, ça sert à ça. Ah bon? Si, ça aurait pu être rigolo dans le charnel, mais maintenant, je m'en bats les couilles, mon petit esprit. Le pognon et la matière, j'en ai absolument rien à foutre. Rien n'est à personne sur cette planète, et en plus, je t'emmerde. Que ce soit clair, net et précis, c'est pas méchant. Mais ne me prends pas pour un con. Moi, je suis un esprit dans une viande, dans le cyborg, on va dire. Mais je suis pas une viande sans esprit, je suis pas normalisé, je suis pas numérisé, je suis pas robotomifié, je suis pas lobotomisé. Et en plus, je t'emmerde. Qui c'est qui n'est pas content, là? Viens me voir. Chris de Nice, c'est pas Brice, hein? Oh. Qu'est-ce qu'il y a, là? Tu vas me faire croire quoi, là? Avec tes pubs de merde? Ah ouais, genre, Led Zeppelin, The Song Remains the Same, quoi. Le mec il était allé chercher dans la forêt, l'autre il le cherchait je sais pas où, hop. Genre c'était subliminal. Ah ouais. Bah, la pub à la télé, c'est sublime anal, tu vois, pour te faire, pour t'enculer, encore mieux. Qu'est-ce qu'il y a là? Prends-moi pour un con là. Vous avez un cerveau ou quoi? Je vous réveille ou pas là? Merde. Genre, t'écoutes Starway to Heaven à l'envers, genre, ça veut. Il te faut vivre pour Satan. Oh. Mais vos pubs de merde avec les clins d'œil, tu sais, ça brille et tout. Que tu vas dans le magasin, t'achètes un truc, t'en as même pas besoin. Mais tellement ils t'ont bombardé à de la pub de merde. Putain, vive Coluche. Dernier prophète non reconnu avant moi. Wow. C'est comme ça, et puis point tag, ta gueule. Ta gueule, connard, tu comprends rien, t'es qu'un PD ou t'es qu'une gouine ou je sais pas, tu te démerdes. C'est pas ça l'esprit. Le devenir de l'ensemble, c'est tout. Qu'est-ce qu'il y a là? Il y en a un qui est pas content? Alors, le premier mec, il dit, tu sais, c'est une photo. Bon, voilà. Trois mecs en noir, genre les notaires, cravate de notaire, de notre ère, les enculés. J'ai une idée. Droguons le peuple. Bon, ok. Là, tu dis, ah ben non, moi j'ai une autre idée. Faisons en sorte qu'ils nous payent. Ah, tu dis, oh non, moi j'ai une autre idée. Appelons ça le médicament. Alors. Quand il y aura un médicament vrai, quand il y a un gouvernement vrai, quand il y aura. Là, je vais me réactiver. Pour l'instant, je m'en bats les couilles. Qu'est-ce que tu penses du. On s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles. Qu'est-ce que tu penses de. Hop, on s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles. Oh. Tu vois. Moi, j'en ai absolument rien à foutre. Je suis déjà mort 14 fois. Je suis du 4-1. Même Nostradamus. Il s'appelait Michel, et voilà, il y a plein de quatrains. Et en plus, je vous emmerde. Putain, vous êtes des goy, des mongols, abrutis de télé,
Il n'y en a pas un qui essaye d'élever son esprit. Il n'y en a pas un qui essaye de... Non, 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 BHL TV. Oui, alors, 657 fois dans la même journée. Oui, vous comprenez. Morceau de connard vendu au pognon. Putain, c'est pas ça la vie. C'est pas ça. C'est pas ça l'esprit. C'est pas ça. Putain. Des sous-merdes. Moi, je reconnais, je suis un gros con. Bon. 84 kilos, un gros con. Un con art. Voilà. Alors là, il a marqué sur sa porte. De tous les arts, l'art culinaire, c'est le meilleur. Parce qu'au moins, celui-là, il nourrit son homme. Point tag. Ça va, ouais. Ça va aller.